Ah, de bon matin! Ah, allez, 5 bagnoles à réparer avant d'attaquer la journée. Bon, j'avais envie de me faire un petit live sur Car Mechanic Simulator 2021 en prenant mon café. Et en lançant ma partie, je me suis rendu compte que bah, j'avais un peu de retard en fait. J'avais des commandes qui étaient en attente. Attends, j'ai baissé un peu le son quand même. Hop, voilà. Bon, bah, en attendant que vous bougiez un peu vos fesses et que vous veniez, vous arriviez à prendre de café avec moi, moi je vais attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Un silencieux et après un peu de carrosserie. Hop, facile. Quand on voit la gueule de la bagnole. Salut The Flugger. Enfin un qui est matinal. Échappement. Alors c'est lequel? Eh ben c'est celui-là. Hop. J'en ai peut-être un en stock. Ouais. 48%. Voilà. Réparation gratos. Et lui il demandait 32%. Parfait. C'est JB. De plus en plus matinal. Ben oui, mais en fait le truc c'est que j'ai pas les enfants. Là, ils sont chez les papy-mamies. Et que madame se lève très très tôt. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais me lever tôt aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire dans l'après-midi. Je me dis, bon, je vais faire un petit stream le matin. Et puis après, il faut que j'aille récupérer les enfants. Donc, bon. Petit stream matinal, ça me va bien aussi. J'aime bien. Alors, phare avant. Les deux portes. Attends, déjà, on va faire les phares avant. Hop. C'est moche les phares là-dessus. Deux gros blocs. Bon, les portes, je comprends, elles sont défoncées. Attends, la porte avant. Ah ouais, la porte avant droite aussi. Pourtant, elle paraît pas trop mal. Merde, non, c'est pas ça que je veux. Alors, les portes, c'est bon. Vitre, porte avant droite, ok. Vitre, coffre. Custode gauche. Et vitre, porte avant gauche. Alors, attends, j'ai dit quoi? Custode gauche. Hop. Et le coffre? Eh ben c'est parti. On va y mettre ça en réparation. Oula. Ah ouais, attends, parce qu'en fait j'ai sorti plein de trucs de mon hangar là, de mon, comment ça s'appelle, mon entrepôt. Du coup il me demande de faire les réparations. Ben on va les faire tant qu'on y est, comme ça c'est fait. Hop, ça me coûte rien. Et puis quand j'en aurai besoin, j'aurai des pièces toutes neuves de dispo que je pourrai revendre. Bien bien cher. Petit Jaco. Alors voilà. Alors c'est quoi celui-là? Rétro gauche. Je l'ai démonté le rétro gauche. Ah ben non, il était sur la porte. Bon, ils m'ont pas demandé de le faire, mais bon. On peut se permettre, on n'est pas à quelques crédits près non plus. Voilà. Alors, j'ai juste à avoir les phares à racheter, je pense. Mode montage. Alors, le phare avant. Alors, il veut combien de pourcents de... 32%. Bah, normalement, c'est bon, si je lui remets. Non, il faut vraiment le changer complet. Ouais, il faut le changer complet. Bon. Ça, c'est une logique du jeu que je comprends pas, par contre. Au niveau carrosserie, quand le client demande un minimum de... d'un pourcentage, donc là 32%, et en fait sur la carrosserie non, il faut vraiment vraiment changer quoi. Donc on va faire ça, hop, on va faire ça et ça. C'est quoi comme bagnole ça? La Sakura Takumi. Bah attends, on va aller dans le, hop là, dans le shop carrosserie Sakura Takumi, elle est là. Et il me faut phare avant droit et phare avant gauche. Ouais, matinale, bah tu vois, regarde, je suis au café avec ma tasse. J'ai changé de tasse aujourd'hui, j'ai pris la tasse. Attends, c'est con, on la voit pas du bon côté. Hop! J'ai pris la tasse Sulky aujourd'hui. On va changer de constructeur un peu. Hier j'étais sur ma tasse New Holland.
Tu viens de finir ta traite? Bon. Alors toi t'es tout le contraire, t'es en retard par contre. Tu fais pas partie de ceux qui font la traite à 5h du mat? Alors est-ce que les vitres... Vitres avant, fallait que je change ou pas? Vitres porte avant, ouais il fallait que je la change. Et ben c'est parti. Voilà. Est-ce que le coffre on le remet? Ouais. La vitre du coffre, qu'est-ce qu'il fallait faire avec? Il fallait la changer? Ouais. Alors vitre coffre, c'est où? Pare-brise. Ah, je la vois pas. Bah. Allez là. J'ai pas eu. Le client, il n'a pas vraiment choisi ses priorités. Hein. Je sais pas pourquoi il voulait absolument que je refasse la porte et quelques vitres, alors que tout le reste de la bagnole, c'est dans un état. Vitre porte avant gauche, donc pareil, il faut la changer. Je l'avais peut-être acheté, non? Non. Pas de souci. Porte avant gauche, vitre custode, non, porte avant gauche. Il y a le rétro à remettre aussi. Hop. Et je l'avais faite celle-là non plus. Custode gauche. Hop, voilà, c'est parti. Allez, dégagez-moi cette épave de mon garage. Suivant. On va aller prendre une bagnole de dehors. Non, faut dormir un peu quand même. Alors quand je vais aller voir ma voisine faire la traite, quelle heure il est à 7h, je suis déjà une heure en retard. Hein. C'est plutôt 6 heures. Si je veux aller chercher du bon lait. Tout chaud. Tout frais, tout chaud. Bon, plouf, plouf. Bah tiens, attends, on va faire celle-là. Il y a quasiment rien à faire là-dessus. C'est tout neuf, ça. Ouf. D'accord, bah oui, c'est tout neuf. Il n'y a que des problèmes électriques. Ah non. Papillon, rame d'injection, déjà. Faire des filtres. Ah, il y a une distrie à faire. Oh, bordel de merde. Tout ce qu'il y a à faire, mais il a pété son moteur, lui. Eh, on va tout cocher. Et puis, c'est la première fois que je la fais, cette bagnole. Dans tous les scénarios, j'ai jamais eu à la faire. Eh ben, c'est parti. Merde, je pensais... vu l'état de la voiture, je me suis dit... Oh, bah, c'est bien, c'est tout neuf. Non, non. C'est une épave. Combien? 61%. Par où je commence? Oh, limite j'ai envie de sortir le moteur. Vu tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Oh, je fais ça dans la voiture ou je le sors? Oh non, je vais faire dans la voiture, allez. Par quoi on commence? Tiens, on va faire dans l'ordre avec un peu de bol, avec toutes les pièces que j'ai récupérées à la casse. Non, bah c'est complètement mort ça, c'est même pas la peine. Un petit fusible qui traîne non plus. Putain, mais dis donc, c'est la dèche. Ah non, c'est dans l'électronique. Merde. C'est dans le magasin électronique. Il est là. Il me faut un fusible. Et ça, 550 balles. Putain, il va en avoir pour cher, lui. Merde, je suis en quoi? En mode montage. Hop. Voilà, déjà deux choses de faites. Rampe d'injection, papillon, bobine d'allumage. C'est parti. Salut Ayotte. Salut Mister Doudou. Carter de distri. Eh ben, c'est parti. Non, attends, j'ai peut-être dit danger la flotte d'abord. Parce qu'à chaque fois, je me fais couillonner. Il y a une pompe à eau, je suppose, dedans. Démarreur est mort aussi, bah putain. Il lui a foutu la misère. Filtre à huile, attends. On va peut-être y danger d'abord.
toute façon, il y a une vidange à prévoir dessus. Hop. J'ai peut-être des trucs à voir tant qu'elle est dessus là. Oh non, même pas. Rien de ouf. On va pouvoir la descendre. J'ai même pas ça en stock. Ah, courroie crantée. Hop, là, 30 balles. Bien. Mode montage. Hop. Salut Greg. Ah, mais si j'ai un truc à faire là, je vois qu'il y a. Ah, faut démonter le dessous. Et ben on va la relever après. Et là c'est pareil. Ah si, j'ai un turbo tout neuf. Hop, ça me ferait économiser le prix d'un turbo. Nickel. Qu'est-ce qui me monte là devant? Ah, l'intercooler. Ah bah oui. Ah, accès par le dessous de la voiture. Bon, mais de toute façon, il va falloir que je la lève à un moment donné, la voiture. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un filtre à air à changer. Est-ce que j'en ai en stock des filtres à air? Eh ben non. Pas de problème. On a un petit filtre à carburant à faire aussi. Ça, tu vas pas me dire que j'en ai pas en stock. Si. Oh, pff, oh putain, j'avais acheté une palette ou quoi? Bon, alors. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? La chaîne, elle va bien. Par contre, on a la roue de l'arbre à cam. C'est pas bon. 27%. Je peux peut-être aller la refaire celle-là, tiens. Attends, on va aller dans l'atelier vite fait. Hop. Ah ben non. Par contre, son démarreur, je peux le faire. Impec. Bon, le carter de district, c'était pas demandé, hein, donc on va pas le faire. On va essayer de gagner. Avant, je m'amusais à refaire toutes les pièces comme ça à l'œil, quoi. Les clients, ils étaient contents parce que bah, ils repartaient avec une bagnole. Plus neuf que ce qu'ils avaient demandé. Mais ça, c'était avant. Je fais plus maintenant. Je suis devenu rapia. Et un peu plus riche. Filtre à huile, non. Hop. Alors, dans la partie haute, on a quoi? On va avoir une bougie. On a... C'est tout? Bobine. Il n'y a pas une bougie à faire? Ah non, c'est quoi qu'on a derrière là? Un injecteur? Ah, ah, attends. On va virer tout ça. Ah bah les papillons sont à faire. Hop. Ça tombe bien. Ouais. Une rampe d'injection. Ça c'est pareil, je sais plus si je peux les réparer les rampes d'injection. Je suis pas sûr. Non. Collecteur d'admission non plus. Donc ça on va pas les retaper. Mais attends, en fait, je suis en train de faire tout ça, mais
Je vois que y a un piston à. Il y a un piston à sortir. Est-ce que je vais pouvoir le. Oh putain, non, je vais être obligé de tout sortir. Peut-être par le. Ouais, attends, on va essayer de le sortir par le bas. Je vais peut-être pas remonter tout ça tout de suite. Je vais passer en dessous de la bagnole. Ça me paraît un peu plus logique si on était en réel. Je faisais ça aussi, Mister Doudou, mais j'ai arrêté parce que j'étais blindé parce que j'avais monté mes crédits à plus de 300 000 en faisant plein, plein, plein de missions, missions, missions. Et puis à un moment donné, bah pareil, je me suis dit, ouais, je suis blindé, je vais faire plein de réparations et puis je vais m'amuser, je vais faire de la restauration d'un peu de tout. Et en fait, mon solde est descendu quand même assez rapidement. Donc j'ai arrêté. Alors, mode démontage. Bon, tiens, tant qu'on y est, le filtre à huile, il va dégager. On va sortir tout par le dessous. Et. Alors, attends, il y a ça, il y a un support de vilo. Bah ouais, mais par contre. Va falloir que je le sorte, celui-là. Accès depuis le compartiment moteur. Ouais, bah écoute, va falloir déculasser du coup. Bon, bah. Pas trop le choix, ma pauvre Lucette. On va tout sortir. C'est pas rampe d'injection que je veux, moi. C'est un peu plus profond. Ça c'est chiant ça, j'aurais dû repérer avant, comme ça j'aurais démonté tout le dessus avant de me faire chier quoi. Ah là là. Je déteste faire ça, juste pour un petit piston. C'est pas vrai quoi. Ah bah non, il y avait aussi un palier d'arbre à cames, d'accord. Bon. Bah écoute, hein, tant qu'on est dedans. Ouais, mais regarde tout ce que j'ai enlevé, Jaco, d'avant. En fait, c'était soit je démontais par le bas, soit par le haut. Mais vu que j'ai des pièces à dégager en haut aussi, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'il me demande, celui-là? Pourquoi je peux pas les virer? Attends, on va dégager ça. Il y a un truc qui le gêne. Merde, attends, je vois pas. Ah, clique dessus, toi. Voilà. Ok, on va être obligé de dégager ça. Ça en fait du démontage, hein. Bon, c'est pas grave, ça va me faire de l'XP, mais quand même. Je m'en serais bien passé. C'était un peu le cadeau empoisonné, cette mission, je crois. Voilà, Edin. Alors, bon, bah non, c'est pas fini quoi, il y en a plus, il y en a encore. Ah, le turbo, j'aurais dû le garder démonté en fait. Heureusement qu'on n'est pas chronométré hein, dessus. Hein. En tout cas, pas en mode facile. Bon, on peut sortir ou pas ça? Ouais. Alors, où est-ce qu'il est le fautif? Il est là. Hop, voilà. Bon. Ça, je regarde quand même si je peux pas les réparer quelques pièces dans tout le bordel que j'ai. Si j'ai vu un truc là. Alors attends, les rampes, non. Ça. Voilà. Ce sera toujours ça.
J'aurais dû faire l'épave qui est à côté. Elle est toute rouillée, mais je suis sûr qu'il y a moins de trucs à faire dessus. J'ai pas un piston qui traîne. C'est combien de pourcents lui qui veut état de la voiture, 61%. Bon bah de toute façon. Hop, on va mettre ça, on va se l'acheter. Segment de piston, hop. Voilà. Eh attends, je lui ai remis les arbres à cam tout neuf. Oh. Allez, je suis bon seigneur, je lui laisse. Je lui ai remis des arbres à cam que j'avais retapé. Quand même regarder que ce que j'ai fait est pas mal. Papillon bobine, ok. Filtre carburant, filtre à air. Le démarreur, je l'ai refait. L'intercooler, je l'ai pas fait encore. Ça, ça. Et ça, c'est bon. Ouais. Je crois que j'ai encore été sympa avec le client, je lui ai mis un collecteur d'échappement qui n'était pas le sien. Et pareil pour les bougies. Et faut que j'arrête d'être trop sympa avec lui. Hein. Tiens, on va lui remettre des bougies un peu de merde. Je vais y reprendre ma bougie toute neuve là, attends, faut pas exagérer non plus. C'était pas ce qui était marqué dans le contrat. Je vais quand même regarder que ça a pas impacté. Bobine, réparer le moteur. Non. J'avais deux bobines d'allumage à faire.
Hop, 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 reprends la courroie crantée, toi. C'était pas celle-là qui était montée. Ah bah si, autant pour moi. Bon, on est comment là? État de la voiture, des fusibles, c'est bon. Les papillons que je n'ai pas été refaire et filtre à huile, on s'en fout, c'est par le dessous. La batterie, l'intercooler que je n'ai pas refait. Support roulement de vélo, c'est en dessous. Donc on va attraper. Ah bah de toute façon tout est en dessous, donc on va lever la bagnole. Ça va me prendre du temps quand même celle-là. Ah bah l'intercooler je peux même pas le refaire. Donc ça va être vite vu hein. On va retourner sous la bagnole et puis on va mettre du neuf. Oh, j'ai même pas de filtre à huile en stock. Putain, c'est la misère. Normalement, on est bon. Plus que les vidanges à faire. Ah non, papillon. Ah oui. Ah, accès compartiment moteur. Merde. Bon, allez, hop. De toute façon, on n'a plus rien à faire en dessous. Ah bah ça, c'est mort, ça. Ah, il y a une batterie à faire. Hop. Pouh, on va juste lui mettre un coup de charge. Alors, servo direction, frein, refroidissement, lave-glace. Ah, j'ai pas vidangé. Des fois, il demande à vidanger. Bon. Peut-être qu'il y avait juste à remplir, fais voir. Ouais, c'est bon. Liquide de refroidissement. J'ai pas vidé la pompe à eau, donc hop, 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 vidange. Merde, il est où son truc à lui? Attends. Ah, viens là, viens là, viens là, viens là. Hop là. En effet, il n'y avait plus rien dedans. Pour une bagnole neuve, elle était vraiment en train de finir en épave, hein, quand même, hein, ça truc. Hein.
Ah, chef. Hop. J'irais bien de l'essayer vite fait. J'ai jamais essayé cette bagnole. Où est-ce qu'on peut la mettre? Attends, on va la mettre sur entrée de garage. Hop. Ah merde, j'ai pas remis d'huile. Pas grave ça, c'est un détail. De toute façon, vu comment elle roulait la bagnole. Juste un tout petit tour de circuit vite fait, juste pour me réveiller. J'aime bien, la zone rouge est à 5000 tours. Hein. Enfin, je comprends maintenant pourquoi il l'a flingué sa bagnole. S'il conduit comme moi... On croirait une bagnole de Fast and Furious quoi, mais c'est quoi cette caisse? Attends, je suis en troisième. Mais passe la 4 mec. Non? Non. Ça marche bien son truc là quand même. Hein. Par contre la vue caméra, la souris en même temps que la direction, c'est compliqué. Hein. C'est bon, allez, un tour en combien? C'est pas mon meilleur chrono mais... C'est pas mal. Allez hop, retour à l'envoyeur. Combien que ça me fait gagner ça? 4000 balles, c'est tout. C'est pas cher payé vu le temps que j'ai passé dessus. Tiens, on va pouvoir faire rentrer celle-là. Monsieur Gaëtan, oh, matinale plus que ça encore, j'étais là vers un petit peu avant 7h, mais j'étais pas en live, mais j'étais déjà sur Car Mechanics à 6h30 je crois. Qu'est-ce qu'on a à faire sur celle-là? Réparer le moteur, encore. Vidange, les bobines, filtre à carburant normal, problème de frein aussi. D'échappement aussi, eh ben. Change ton moteur, mec, hein, complètement, hein, parce que là. Il y a une distrie à faire. Non, c'est même pas. Ah, si, il y a une distrie. Ouais. Un piston. Et un vilo. Bah, c'est parti. Oh, le beau moteur. J'ai presque envie de le sortir, le machin. Allez, vas-y, on va se faire plaisir.
On va se faire plaisir. Hop. Au hasard, les freins sont à faire, non? Même pas. Non. C'est pas possible. T'as vu la gueule des freins? Ah, je les ai juste pas notés, les freins. Si, si, ils sont à faire. Ils sont cuits, les trucs. J'ai viré le cardan ou pas, là? Ouais. Allez, on démonte la boîte. Oh, la vache. Bon, hé, on va tomber le moteur comme ça. Hop. Ah non, non, attends, reviens. Faut faire la vidange. J'ai oublié de vidanger le moteur. Ah merde. Voilà. Hop, un moteur en moins. Même pas Gaëtan, je vais aller samedi parce que c'était hier, il pleuvait comme il n'y a pas, donc j'ai fait laisse tomber. J'irai samedi. Monter un nouveau moteur. Non, c'est pas ça que je veux. C'est installer cette grosse merde dessus. Oh là 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 là. Un monstre, ça. Tiens, ça me dit pas ce qui est mort. Non, c'est pas vrai. Oh, ça va me faire chier, ça. Ça va archi me faire chier. Bon, attends, y a un moyen. Hein. Je vais me faire plaisir. À combien il veut de pourcentage, là, le client? Ça, c'est un truc qui est mal foutu par contre. 75%. C'est vraiment un truc mal foutu. Qu'une fois que le moteur est sorti, il fait plus partie de la bagnole. Du coup, on peut plus avoir l'ordre de réparation dessus. Mais bon, c'est pas grave, on a le temps. On va se le démonter, on va le dépouiller, le machin. Et on va lui refaire propre. On va refaire toutes les pièces. Je suis pas un garagiste gentil quand même. Ah, j'ai vu ça, Gaëtan. Salut Yazaru, bienvenue à toi. Tu vois, il y en a qui sont matinaux aussi pour venir faire du follow. Qu'il faut s'y connaître pour jouer à ce jeu? Pas du tout. Il y a un mode facile, bah là d'ailleurs je suis en mode facile. Pardon. Et en mode facile, non, il n'y a pas besoin, t'es guidé à fond. Hein. Enfin, t'es guidé en tout cas sur les réparations. Tu prends ton ordre de réparation et bah tiens, je vais te montrer vite fait. En gros, t'arrives, tu fais ton clic droit dessus, donc état de la voiture, et tu as
tu as les problèmes à résoudre. Tu as un petit onglet ici avec les problèmes à résoudre du client. Et quand tu es en mode facile, tu peux cocher les petites étoiles comme ça. Et du coup, ça te met les pièces que... attends, hop. Ah ouais, attends, il y a ce truc-là qui est là. On va le renvoyer à sa place. Hop. Tu as les pièces, tu les vois un petit peu, qui sont en surbrillance, tu vois, comme ça. Il y a un petit liseré bleu autour. C'est la pièce à changer. Donc, tu vois, t'es pas obligé de t'y connaître, t'es guidé. Si tu sais pas, ce que c'est une bougie d'allumage, eh ben, il va te montrer ce que c'est une bougie. Et voilà, après, dans la boutique, pour recommander tes pièces, t'as un petit moteur de recherche, tu vois, où tu peux taper, bah, si t'as besoin d'une bougie, hop, bougie, toc. Bref, non, il est assez, assez facile. Oh, mais The Flogger qui reprend petit abo Prime. 7e mois d'abonnement consécutif. Mais merci bien à toi. Les rampes d'injection, hop, on va sortir tout ça. Et j'ai même envie de te dire, Yazaru, que ça peut te permettre d'apprendre. Enfin, d'apprendre. Bon, tu vas pas apprendre à démonter une bagnole. Mais en tout cas, ça permet de vulgariser un petit peu le truc, de comprendre un petit peu comment fonctionne un moteur de bagnole, voire une bagnole de manière générale, et de connaître le nom des pièces. Donc c'est pas mal, c'est une bonne simu pour ça. Nous on est fidèles car on est là depuis le début. Ouais, le début de quand, de YouTube ou de Simulagri ou de la chaîne Twitch. Steam ou Instant Gaming, pourquoi? Attends. On trouve où ce jeu et à combien? Ouais, on le trouve sur Instant Gaming si tu veux à pas trop cher. Ouais, il est cool, il est carrément cool. Alors dans la série des Mechanic Simulator, t'as Car Mechanic Simulator, t'as des Motorcyc, je crois, Mechanic Simulator. T'as Rover Mechanic Simulator pour réparer des rovers martiens, qui est pas mal aussi. Moi, je joue beaucoup à celui-là. Mais il y en a plein, hein, des Mechanic Simulator, il y en a à l'appel. Hein. Mais Car Mechanic Simulator, c'est vrai que c'est un peu la référence quand même. Et puis là, cette version 2021, faut bien admettre qu'elle est réussie, il y a des super musiques et tout. Enfin, il est super à jouer en fait, il est super posé. C'est un petit jeu du matin, tu vois, ou un petit jeu du soir. Il est hors stock sur Instant, mais ça ne m'étonne même pas, il a pété les records de vente le jeu. Il était numéro 1 sur Steam pendant quelques jours quand même. Hein. C'est un petit jeu pourtant. Enfin petit. Non, c'est vrai que c'est quand même devenu un beau bébé au fil des années. Hein. Salut Matmag. Tu te rappelles plus quand t'es tombé sur la chaîne YouTube? Bah, la chaîne YouTube, si tu regardes dans le petit truc à propos, là t'as la date de création. Je crois, je suis pas sûr, hein, je crois que c'est février 2018. Mais en fait, elle est restée inactive pendant très longtemps. J'avais juste créé pour la poser parce que j'avais fait le site. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, je vais tenter de streamer. Mais j'avais que ma pauvre connexion ADSL. Et puis je savais même pas encore trop les logiciels de stream, ce qu'il y avait. Donc j'avais fait mon premier stream sur Pure Farming, je crois, sur du modding. Stream qui a été supprimé d'ailleurs après, parce que Giants sinon aurait déposé plainte. En gros, j'expliquais comment convertir un mode Farming Simulator sur Pure Farming, donc tu comprends, ça leur a pas beaucoup plu. et puis voilà, et puis bah, la chaîne a grimpé tout doucement. Bon, elle grimpe toujours tout doucement, hein. on est que 20 500 dessus, donc... Je reste un petit joueur. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, j'ai lu un article récemment sur justement les streamers un peu dans mon cas, quoi, c'est-à-dire qui font rien d'original, quoi, à part jouer, où c'est compliqué, quoi, en ce moment, de se lancer là-dedans. Bloc moteur, non, on va le lancer là-dedans. En gros, ouais, l'article disait que faire une chaîne à 500 000 sans faire
sans faire de putaclic, c'est compliqué. Et vous savez que j'adore faire du putaclic. La partie que j'adore. Surtout sur un V8. Quand faut tout démonter. C'est Vincent. Ah non, non, il y avait trop de clients en attente là. Le garage était plein, j'avais 5 bagnoles à faire. J'ai commencé de bonne heure, à 6h30 j'étais sur le jeu. Ah, j'aime bien cette musique. Elle est bien. D'ailleurs, il se pourrait que je fasse des lives matinaux de manière régulière parce que du coup madame a changé de job et on se lève tous un peu plus tôt, beaucoup plus tôt en fait. Je peux vous faire un live à 6h30 s'il faut, il n'y a pas de problème. S'il y en a certains que ça arrange, moi ça me dérange pas. Pourquoi il veut que je... Bah attends, ouais, c'est mal foutu ce truc. Allez, on va sortir ça comme ça. Ah, les poussoirs. Ah là 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 là. Quand faut sortir ça. Poussoir et culbuteur. Culbuteur. C'est chiant. Bon, bloc moteur. Allez, on le refait aussi. À l'atelier. Hop. J'ai d'autres pièces à réparer. Et je vais tout faire. Même mes pièces perso. Comme ça, c'est fait. Il arrêtera de me demander de les réparer. Je suis vraiment sympa avec le client parce que c'était pas une demande. Hein. Même les cardans. Bon après pour les quelques euros que ça coûte. Je refais même son démarreur si c'est pas gentil ça. De toute façon, vu la facture qui va lâcher celui-là. Oh putain, je suis pas réveillé là. Hop là. Je peux me permettre de lui faire un petit cadeau. Enfin, le bloc moteur à rénovation à 114 crédits. Merde, je l'avais pas vu. Je l'ai pas vu passer celui-là. Oups. Là, j'avoue, j'ai été un petit peu généreux avec. Tout petit peu. On se rattrapera, on lui remettra des plaquettes refurb. Tiens, encore une rénovation du bloc un peu gratos. Bon, allez. Ah bah non, le vilo, par contre, j'avais pas fait gaffe, mais lui, il est vraiment mort. Alors, combien que ça va me coûter, cette affaire? 320. Pouah. Combien ça va coûter au client? Pendant la traite, ça te va bien, Jaco? Bah écoute. Dans 2 jours, mes vacances commencent. Ah non, c'est tout le contraire. Dans 2 jours, je vais cravacher dur, Gaëtan.
Et là, je suis en pseudo-vacances, puisque les enfants sont chez les papis, mamies, donc... Bon, ils y étaient juste pour 24 heures. Qui c'est qui est venu nous rejoindre? Valchichi, bienvenue à toi. Avec un peu de chance, tu vas recevoir Bus Simulator. Alors, je reçois les clés jeudi, Vincent. Je reçois les clés jeudi. Il y a un piston qui est dead. Alors, j'en mettrai une sur mon compte, Vincent, et puis une sur la bibliothèque partagée. Comme ça, on pourra se faire du multi. Pourquoi je peux pas... Attends, mais non, c'est pas le vilebrequin que je veux, c'est... Merde, il est où? Piston avec Biel. Tac. Il me faut les segments avec, monsieur. Segments. Vincent, est-ce que tu as vu la simulation de bataille épique, le truc que j'ai publié hier? Il faut que tu aies ce jeu. Je vais faire un stream YouTube juste pour ce jeu parce que c'est énorme. J'adore. Une simulation des batailles épiques du Seigneur des Anneaux. C'est con, mais c'est pas mal. Pour un petit jeu. Ça va être bien pour cet hiver, ça. Quand il y a besoin d'un peu de chauffage, tu lances ça. Ton CPU, il monte à 100%, et puis c'est bon. Ça te chauffe ta maison. Ah bah, ça va te plaire. Essaye-le, il est dans ma bibliothèque, si tu veux. Ah, un filtre à huile. Hop. Filtre à huile V8. J'ai encore plein de jeux à tester là la semaine prochaine, dont des jeux VR, dis donc. J'ai presque pouvoir me refaire une semaine de VR tellement que j'en ai. Salut David. Comment que c'est? Pourquoi je peux pas remonter mon... Bah, y a un problème là. J'ai oublié un truc. Ah, il me manque celui-là. Petit chapeau de Biel ici. Voilà. Je me disais pourquoi je peux pas remettre mon carter d'huile. Pas logique ça. Ah bordel, il a fumé son embrayage le gars, j'ai même pas pu le refaire. 10%. Bon, hey, c'est pas moi qui paye hein. C'est pas mon problème. 79, ouais. Et la butée d'embrayage qui est cirée aussi. Je suis claqué, mais ça va. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des folies de ton corps cette nuit ou quoi? Ouais, les pièces en dessous de 15, c'est cuit. Mais tu vois, regarde, il y avait le plateau d'embrayage, il était à combien? À 70%. Et c'est bizarre, il n'est pas passé dans mes pièces à réparer. Il y a certaines pièces, on peut pas. Et j'adore. Je sais pas à quel moment dans le jeu j'ai acheté une palette de filtres à carburant, mais. J'en ai quelques-uns. Je lui en remets à neuf, je suis sympa. Hop. On va remettre tout ça tout droit. Oh, je lui remets même des bougies neuves. Voilà, là c'est un... Je suis un petit poil trop gentil, là. Voire même naïf. Je vais perdre de l'argent, là, dans l'histoire. As-tu vu qui était chez Giant?
Oui, ouais, il y avait Zero et Marlon, et en fait, ils ont invité des partenaires silver, c'est-à-dire ceux qui ont vendu plus de 5000 euros, je crois, de jeux. Alors, il leur avait. C'est un peu du luxe quand même, parce que les partenaires silver, il leur avait offert quand même un PC l'année dernière. Tatiprod aussi était là-bas? Ouais, peut-être. J'ai pas fait gaffe. Bah, il doit être partenaire Silver. Tout simplement. C'est dingue, hein, leur programme de partenariat, ça vaut le coup. Hein. Moi, je force pas à vendre le jeu, mais je fais quand même quelques ventes. Je suis en partenaire bronze, et l'année dernière, j'avais quand même reçu une Nintendo Switch, les gars. Avec les jeux Farming 17 et Farming 20. Enfin... Ça va, ils sont pas rapia, hein, là-dessus. Hein, et c'est quand même valable, leur truc. Même si je préfère vous dire d'aller acheter le jeu sur Games Planet, puisque vous avez 10% de réduc. Et 10% et un petit jeu indé gratos quand Farming 22 sera dispo. Mais bon. Alors, Courroie District, toc. Oula. Oula, oula. Soutien à Bruno. Ah, t'es sympa, Vincent, t'es sympa. Bon, après, je vais dire sincèrement, si on me demande, je préfère vous dire d'aller chez Games Planet. On a un code d'ailleurs chez Games Planet. Je me demande si c'est pas si. Enfin, si, c'est Simulagri, je crois aussi. Je sais plus si Games Planet s'il faut rentrer le code ou si c'est uniquement avec un lien sponsor. Je me souviens plus. Mais bon, c'est des trucs, c'est des programmes, c'est bien. C'est bien pour des gars bah, comme Marlon, tu vois, qui ont des grosses communautés. C'est super pour eux parce que ils peuvent vraiment sortir un peu de thunes avec ça. Mais pour moi, c'est pas la peine, ça sert à rien du tout. Si je fais 20 balles dans le mois, tu vois, de vente, je suis heureux, quoi. Enfin, je m'en fous, en fait. Les bobines d'allumage, non, c'est dans l'électronique, ça. Allez, hop, 4 bobines. Putain, son moteur, il va péter le feu. Mais moi, je vais être ruiné. Alors, on a des poulies. Quel est en rouleur? Ils sont tout neufs. Hop. Quel est en rouleur B? Regarde, je m'en fous tellement que je vous fais même gagner des jeux tous les vendredis. Et c'est à moi que ça coûte des sous. Bon, pas beaucoup, hein. 5 balles tous les vendredis. Donc c'est moi qui perds des sous. Je perds 20 balles par mois sur mes jeux gratuits du vendredi. Ouais, j'ai vu ça, Vincent. J'ai fait un petit... j'ai fait une petite note sur Univers Simu pour prévenir les gens. J'ai hâte de m'y remettre, tu vois, dans ce petit jeu-là. Gas Station Simulator, tu vois, je vais m'empresser de boucler Car Mechanics avant le 15 pour pouvoir migrer directement sur ce nouveau jeu. Merde, je m'arrache la gorge dès le matin. Attends, mais j'ai pas acheté la courroie. Ah bah non. Non, je suis dans l'électronique. Et David, si t'es fan de Car Mechanics, je te conseille quand même vivement la version réalité virtuelle. La version 2018 en VR, c'est un mix entre la 2018 et la 2021. J'ai hésité ce matin. Je dis, je fais la VR ou la version non VR. Mais bon. La VR, le matin, j'ai un peu du mal, quoi.
surtout avec la fatigue, là, les yeux, ils disent un peu merde, donc on va éviter. Hop. Bon, je crois que le moteur est bon. Bon, on va voir, hein. Enlever le moteur. On va retourner sur la bête. Alors, monter le moteur. Bon, à 4. Ah, j'ai une bougie. 76%. Et le client, il demandait quoi? 75. C'est bon. Alors, attends, on va quand même regarder si ce que j'ai fait est bon. Collecteur d'échappement, on s'en fout. Ça, on s'en fout. L'huile, bah, de toute façon, il faut que je fasse la vidange. Les bobines, c'est bon. Ouais, je pense que j'ai été un peu généreux. Je fais du bénéfice quand même, mais. Et encore. Je suis même pas sûr que je vais faire du bénéfice sur ce. Sur cette réparation. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bon, le radiateur, il est HS. Ah, merde. Pff, oh, fait chier. Attends, j'ai pas fait la vidange, mais tu te fous de ma gueule? J'ai démonté le moteur. Je suis désolé, mais bon, ça devait déjà pisser partout par terre, quoi. Enfin... Ah là 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 là. Il y a des petites incohérences dans le jeu, quand même. Ça, je sais pas. Non, je peux pas le refaire, ça. Je crois pas. Hein. Non. Attends. Ah, merde. On va le mettre en mode montage. Hop. On va l'acheter direct. Non, c'est dans de l'électronique. 550. Wow. Bam. Bon, et après, c'est quoi? Ah, il y a un collecteur d'échappement. Je l'avais pas vu, celui-là. Et de l'autre côté? Non? Non. Bah on va lever la bagnole. Je crois qu'il y avait une boîte de vitesse aussi à retaper. Est-ce que j'avais refait toutes mes pièces tout à l'heure? Je me rappelle plus. Oui, hein. Oh, le radiateur, et c'est bon, je vais pas tout lui refaire non plus au mec, hein, parce que... Il va me ruiner, le gars. Bon, on en était là. La boîte. J'ai pas de vieille boîte qui traîne, donc bah, il va casquer, le gars. Hein. Combien que ça coûte une boîte là-dessus? 1500 balles! Bon, hé, je m'en fous, c'est pas moi qui paye. Il avait qu'à arrêter de rouler à fond en première. Ah, j'avais pas remis les papillons. Ah, merde. Bon, compartiment moteur. Ouais, attends, je vais déjà finir le bas. Catalyseur, c'est mort. Silencieux intermédiaire, j'en ai un, mais il est pas bon. Il me reste pas un... Non, bon, tout ça, ça, c'est mort. Hop. Ça, c'est mort. Et le catalyseur, c'est mort aussi. Bah ouais je sais bien Vincent, mais en principe tu sais pas, enfin en vrai mécanique si tu sors le moteur, t'en as déjà foutu un peu partout quand même. Hein. La pauvre bagnole, Gaëtan, aïe aïe aïe. Mais tu sais, c'est ça les vieux. Des fois on dit, oh, achète des bagnoles aux vieux, c'est bien, c'est nickel. C'est vrai, ça, ils sortent la bagnole juste pour aller chercher le pain. Souvent les bagnoles, elles sont nickel. Mais ce que tu vois pas derrière, c'est qu'ils roulent en première pour aller jusqu'à la boulangerie. Donc ouais, les moteurs, c'est qui tout double, quoi. Soit ils sont complètement rincés, soit c'est bon. Bon, alors ici, on avait quoi? On avait du disque. Ah, les disques, j'espère que je vais pouvoir les refaire, ça va me faire économiser un peu. Disque et étrier. L'étrier, ça va le faire, on va pouvoir le retaper.
Et ce disque là, on va pouvoir se le refaire aussi. Il n'y avait pas d'autre. Non, on était bien là l'avant. Ouais, sauf là. Allez, ah, on a un disque qui est mort quand même. Salut Louve Blanche. Ben regarde la vidéo de Villebrequin, Gaëtan, quand ils se sont amusés à se tirer la bourre et essayer de repasser une première. C'était rigolo à regarder. Et ce qui est le plus rigolo, c'est qu'après, ils démontent le moteur quand même. Ils démontent la boîte et là, tu vois les dégâts que ça a fait. Finalement, c'est pas... Je pensais que ça aurait été plus la cata, tu vois, quand ils ont démonté le truc. C'était bien défoncé. Mais je pensais vraiment que ça allait être complètement explosé, quoi. Nous, en moto, en enduro, quand on pète une boîte, ça se termine souvent très mal, quoi. C'est pas juste un petit pignon, quoi. C'est carter fendu, c'est mort, quoi. Là, pour le coup, t'es obligé d'aller dans le shop pour sortir ta carte bleue et racheter les pièces. Bon, deux disques tout beaux. Il va falloir que j'en achète un troisième. Alors ça, on va pas faire étrier de frein. Ouais. C'était combien qu'il demandait? Je crois que c'était 76%. Donc je vais être obligé de refaire, l'étrier de frein là, on va le refaire. Et c'est tout. Voilà un disque tout neuf pour monsieur, les plaquettes, j'ai ce qu'il faut. Pas trop mal, on va la finir cette mission. J'allais dire qu'est-ce qui manque, mais oui, il y a des cardans. En plus, je lui ai refait des cardans tout neufs au gars. Si c'est pas sympa ça. Ah ouais, là, faut que j'achète. Disque de frein, hop, je pense qu'il va me falloir des plaquettes aussi. Je suis pas sûr qu'elles soient bonnes encore. Ouais. Faut que je regarde l'heure quand même, moi. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire mes 5 missions. Bon, il m'en reste une petite après, mais... Alors, attends, on est comment hein? Réparer le moteur. Le radiateur, ok. La vidange, ok. Bon, niveau moteur, frein, échappement, boîte de vitesse, c'est bon. Donc, il me reste juste le radiateur et puis il va faire la vidange. Et c'est bon. Celle-là, elle peut partir. J'avais pas une pièce aussi qui manquait tout à l'heure? Si, hein. Merde, qu'est-ce qui manquait? Ah, les papillons. Ok. Liquide de refroidissement, on va peut-être en remettre un peu aussi, ce serait pas mal. Ah, bah oui. Et il faut peut-être le radiateur avant. Je sais plus, le radiateur, je l'ai refait ou pas? Non, il est mort.
Bon, maintenant je vais pouvoir mettre mon liquide de refroidissement, ma vidange. C'est bon. Enfin, je crois. Alors, combien je gagne là-dessus? Ouais, enfin 14 000. En fait, je suis pas sûr. Hein, parce que il tient pas compte normalement des réparations qu'on a fait sur le sur l'établi. What? Ah merde. Pff, oh bah, là là là. Oui, elle va. elle va marcher que sur. Bah non, elle va même pas marcher sur deux roues parce que je les ai même pas remis. J'en ai remis aucun. Il n'y avait pas un... Ouais, si. Allez, hop. On oublie tout. Ouais, il aurait pu démarrer le moteur. Hein. Ça aurait juste tourné dans le vide. On la laisse en deux roues motrices ou on remet l'avant aussi? Qu'est-ce que je fais avec des arbres de transmission de partout, moi? J'en ai réparé quelques-uns. Bah ouais. Bon. Cette fois, c'est la bonne. Ouais. Allez, 14 000 boules. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à réparer? Alors, bah la petite merde, là, le pot de yaourt. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oh putain, encore la même chose. Refaire le moteur. Bon, on va le sortir. Quelques petits roulements, il y a de la morto. D'accord. Bon, bah... J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. On peut pas lui acheter un moteur complet direct? Ça peut-être aller plus vite, non? Tiens, j'ai jamais regardé combien que ça coûte un moteur. C'est où qu'il faut acheter des moteurs? C'est là-dessus, non? Non. Ah oui, non, d'accord. En fait, tu le configures et après, il faut monter. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Laisse tomber. Hop, on va démonter celui-là. Ah merde, moteur... Attends, c'est quoi cette bagnole? On a le moteur au cul sur celle-là. D'accord. Une petite mission. Non, bah vas-y, quelle heure il est? On a le temps, ça va vite hein, avec ça. Boîte de vitesse, qu'est-ce qu'il faut lui enlever à celle-là? Le démarreur, il est où? Il y a. Ah, hop. Je vais te vidanger la goule d'abord quand même. Faudra que je l'essaye cette bagnole. Ça me parle pas. Je crois pas de l'avoir essayé sur circuit. T'as raison, j'ai peut-être mettre du temps parce que je la connais pas. Oh putain, j'étais dessus.
C'est abusé. Ça, c'est de la Renault. Avec une corne comme ça. Ouais, l'arrière, ouais. Mais l'avant, je t'avoue que l'avant, je reconnais pas trop. Je vais encore me faire enfumer parce que je vais foutre le moteur et je vais perdre tous les... Ah, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien de clients veut, 52%. Bon, je vais pas me faire avoir cette fois, Merde. Je vais tout enlever, mais je vais remettre que les pièces à 52% minimum. Je vais pas faire plus. Parce que là, après, mon garage, il va faire faillite, là, ça continue. Quoique, bon, ça va, je suis remonté. J'ai commencé la partie, j'étais à 110 000, je crois. Je suis à 120, presque 130. Par contre, j'ai pris un level. J'étais en 25, je suis en 26. Sur le moteur, on avait quoi? Sur la mission, on avait du piston et tout. Ah. Parce que s'il n'y a pas de piston, j'ai peut-être pas. Hop, il y a des segments de piston. Bon, allez, hop, on va pas se faire chier. Ça en fait de la merde à virer là. Hein. C'est la première fois que j'ai à le démonter ce moteur. Début à tout. Hein. Salut Kuzam. Je pourrais faire des nouveaux trucs pour les points de chaîne. T'as 26 000 points. Mais je sais pas quoi faire avec les points de chaîne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que là, tu peux faire quoi à part mettre des messages en surbrillance À 20 000 un exercice sportif, tu veux que je me prenne pour amourante et que je me mette à faire des squats? Ou parler en anglais? Yes, of course. Brian is in the kitchen. Je trouve que c'est ça le plus dur. Quand tu dois réparer des caisses en mauvais état, genre le client veut 30% ou plus sur une caisse à 45%. Ouais. Bienvenue à toi, Derifeloli. Bon allez, moi c'est juste pour... Ah, tu prépares un live. Live sur quoi, Kuzam? Sur Car Mechanics aussi? Bah, bien de bonjour. Cette musique.
Dragon Quest. Je ne suis pas joueur. Purée, mais tout ce qu'il y a à dégager, quoi. Ça va, il devrait mettre plus de vis encore. Au moins ça ressemble un peu à... ça fait un peu plus réaliste parce que des fois les trucs qui tiennent avec deux vis, c'est un peu bof quoi. Mais il est super complet ce moteur. Super complet et super rouillé aussi. Hein. Heureusement, mon ami WD40 est là. Ah, il me manque une vis ou quoi? Ah merde, je l'avais pas vu. Ouf. Salut Swan. Alors, il y a encore tout ça à dégager. Ouais, en effet, je pense que je vais m'attaquer au moteur et je ferai le... Je vais pas avoir le temps de faire la partie châssis dans le live de ce matin. Je le ferai plus tard. Je vais refaire un petit live YouTube sur ce jeu dans pas longtemps où on va refaire le Duster à Kevin. Parce qu'il est acheté, hein, il est sur le parking. J'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. C'est un duster que j'ai trouvé dans une grange. Je pense qu'il est pas trop mal au niveau de l'état, mais il manque la moitié des pièces. Ça va me coûter encore un bras. Je vais peut-être être obligé de revendre des bagnoles. Tout ça pour revendre un duster après. Ça va pas me rapporter grand-chose, mais bon. Alors, est-ce que je peux dégager tout ça? Oui. Ah, non. Bah, bon café, Gaëtan. Moi, c'est fait, mais je crois que j'allais m'en refaire un aussi derrière. Avant de partir. Alors, petite réparation. Attends, il voulait quoi, le client? À partir de combien de pourcents? Pas ouf, hein, je crois. 52%. Bon, on va pas lui faire beaucoup plus. Hop, le bloc moteur. Et ben, c'est à peu près tout. On peut pas lui faire beaucoup plus. Ah! Mais merde! Ah bah oui. Ah! Vache! Hop. Thank you.
Normalement, il y a un piston qui est HS, non? Oh bah non, en fait, j'avais tout ce qu'il fallait en pièces. Attends, j'ai quand même... Bah non, je peux même pas regarder, c'est ça le pire. Je suis sûr de mon coup ou pas, là? 52%, hein, c'était bien ça, hein. Ça, faut pas se planter, hein. 52. Ça me ferait chier de remonter le truc et puis d'avoir à le redémonter après, quand même. Montage de pièces, hop. C'est bien, c'est que j'ai plein de pièces en stock de bagnoles que j'ai démontées avant. Du coup, ça c'est une bagnole que je vais pouvoir retaper vraiment à moindre frais. Elle devrait me rapporter normalement. Elle devrait bien me rapporter au moins 10 000 balles. Vu tout ce qu'il y a à faire dessus. Ouais, c'est clair Gaëtan, il faut que je me refasse mes t-shirts Univers Simu. Enfin, même pas un t-shirt, je voudrais me recommander un sweat là pour cet hiver. Leur sweat, il est quali, hein, il est bien. Moi, j'en avais pris un pour estampiller Simulagri. Et je pense que je vais me le reprendre en logo Univers Simu. Ouf, volant moteur, il est mort. Mort de chez mort. Hey, monsieur Gwendal, comment il va? Alors 52%, donc là le 54 ça passe. Par contre de l'autre côté ça passe pas, il est mort. Alors ouais, celui-là il est cuit de chez cuit. Hop, on va en recommander un autre. 90 balles, ça va. C'est pas la ruine. $35 le t-shirt, ça fait cher. Bah, ne le prends pas. T'emmerdes pas. Prends plutôt le sweat pour cet hiver. Les t-shirts sur Spreadshirt, sont pas ouf. Hein. Mais le sweat, sincèrement, Gaëtan, il est chouette. Il est épais, il est bien. %63, ouais, ça va le faire. Le Gwendal, il gère des barrières. Des barrières. Sur ta map. Un arbre à cam qui est mort. Hop.
Ouf. Hop, ça, on va s'en commander deux. Oh, bordel. Ça commence à chiffrer un peu, quand même, hein. Arrière de train. C'est bien déjà, ça veut dire que tu mets un train dans ta map. Ça devient rare ces choses-là. T'as pas vu de train sur FS22? Bah, Gwendal, quand même, le dernier trailer in-game de la Gamescom, quand ils ont présenté la map française, il y avait le train. D'ailleurs, un train allemand, mais bon, c'est pas grave, il y avait un train quand même. Ouais, ça y est, j'ai fini? Non. Déjà? Ah non, il me manque... Ah bah non. Il manque des trucs, là, quand même. Bon. Donc là, normalement, c'est bon. On reprend le bébé. Et on va le remettre dans la bestiole. Monter le moteur, 69%, ouais. Bah on va peut-être continuer, non? Qu'est-ce qu'il reste à faire là-dessus? La batterie, le bloc moteur, c'est bon. Bon, la batterie, et ça c'est pas trop gênant. On va aller où la batterie là-dedans? Elle est à l'avant? Ou à l'arrière? Elle est là. On va y mettre un petit coup de charge. Ça coûte rien. Ah oui, 1% la batterie. Elle était un peu morte. on a dit que... Pas dire que c'était un train allemand pour une carte... Bah oui, mais bon. C'est comme ça. Alors, normalement, moteur, c'est bon. Boîtier de filtre air, tuyau d'échappement. Le filtre air, il est où? Ah, hop là. Boîte de filtre air. Attends, il veut que je change le boîtier du filtre air? Pourquoi il est mort? Ah ouais, bah non. Le filtre air, je veux bien qu'il soit mort. Ça. Ah bah si, la boîtier de filtre air, il est mort. Je sais pas si je peux le refaire, le boîtier à l'atelier. Carter de distribution. Oups, j'ai oublié ça. Bizarre ça. J'ai vraiment oublié un truc sur le moteur. Non.
Mais non. Carter de distribution. Non, non, c'est bon, c'était un reste. Autant pour moi. Alors. Mode montage. Hop, filtre air. On va peut-être en remettre un tout neuf quand même. Donc la voiture respire un petit peu. Voilà, on va être obligé de lever la bagnole. Hein. Pas trop le choix hein, pour tout ce qui reste. Tuyau d'échappement, les filtres c'est bon, la vidange, bah ça on s'en doute. Roulement, coupelle d'amorto et... Ok, allez debout. Quelle heure il est? Oh bordel. Faut que je me mène le cul quand même un petit peu là. Attends, ce que je vais faire, tuyau d'échappement, je vais les pointer les pièces. Comme ça, hop, on va aller à l'essentiel. Voilà. Là, on a un roulement, barre stabilisatrice. Pareil de l'autre côté, non? La barre, et puis il y en a un autre truc là. Ah, c'est peut-être un silent block. Ouais. Est-ce que je peux le dégager? Ouais, c'est bon. Je vais peut-être même pouvoir la remonter direct. Toc, 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 voilà. Donc ça, c'est bon. Là-bas, on a quoi? On a pareil, un petit roulement qui traîne. Un petit roulement de flingué là. Qu'on ne va pas pouvoir refaire. L'échappement, je l'ai déjà démonté. Et on a un amorto à démonter. Et c'est tout. Juste un ressort à changer. C'est royal ça. Ça va aller vite. Non. Démonter. Hop. Merde, je sais pas lequel. C'était quoi? Suspension à double triangulation. D'accord. Montée. Suspension à double. Ok, ok. On va même pas se faire chier. J'avais déjà toutes les pièces en stock. Je vais regarder si j'ai pas des pièces à réparer encore. Bah non. Ça va être des pièces à changer direct. Bah, je viens de refaire un. Ah non, c'est un arrière. Oh, fais chier. Oh, merde. Il est où? C'est celui-là, non? Putain, mais c'est pas vrai, il y a une petite incohérence dans le jeu, là, il me pointe pas les bons trucs. Écoute, vas-y, hein. Hop, on va tous les refaire, il y en a bien un qui va être bon dans l'histoire. Attends, on peut pas plutôt démonter? Ah bah non, il est là. Ah, j'avais pas vu. Autant pour moi. Monter l'ensemble. Non. Ah non, en fait, il est mort, le truc. Et je peux pas le refaire. D'accord. Du coup, boutique. Boutique, boutique. Oh, le jeu a planté. Non? Ah non. Ouf. Annuler recherche, effacer. Voilà. Tac. Phew. Une coupelle, peut-être. La morto arrière, c'est ça. Bon,
Ça doit être bon là. Monter l'ensemble. Non. Voilà. Je veux ça, ça et ça. Je monte à l'endroit la pièce. Non mais... C'est un peu chiant en fait. Elles sont mal nommées les pièces, je trouve. Pour tout ce qui est suspension, des fois... On a le problème aussi sur les pièces de carrosserie qui sont marquées... Quand ils te demandent le droit ou le gauche, je crois, et puis il y a marqué L pour left, L droit. Il y a un problème de traduction par moment. Mais bon, rien de méchant, mais ça nous fait dépenser des sous, quoi. Bah là, on est pas mal. Hein. Non, il y a des roulements à reprendre, là. À moins que... Non. Il m'en faut quoi, 2, 3 ? Bah les barres stabilisatrices c'est pareil, hein. J'en ai pas. Hein. Ah j'en ai une qui traînait, que j'avais en rab. Je sais pas s'il va la... Est-ce qu'il la prend en compte ou pas ? Ouais. Ça va être juste, hein, n'empêche. Hein. Juste avant 9h, j'aurais terminé mes 5 contrats. Pas mal. Je regarde un truc parce que je crois qu'il y en a qui sont en pneu sport. Non, même pas. Ils sont tous en... Non, bah c'est bon. Allez, hop. Il doit y avoir les traditionnels vidanges. J'ai un échappement aussi à refaire. Ah oui, celui-là il est mort. Hein. Hop. Le démarreur. Il est où le démarreur? Ah, il est là. Non, non. Il est où ce con? Il est là. Ça passe 54%. Ah ouais, si, ça passe. Alors, c'est fait, c'est fait, c'est fait, faire la vidange normale, là on est pas mal, et on est pas mal, juste la vidange à faire. Pam, attends. Elle est là. Il était pas mal ce petit moteur à refaire, c'est la première fois que j'avais à le faire. Allez hop, suivant. Cache moteur. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais où ça? Un cache moteur? Hein? Mais où? Putain, j'ai oublié un truc, les gars, mais... Ok... Il y a une petite pièce à la con qui a pas été remontée. Alors... C'est où qu'on voit tous les... Qu'on voit tous les éléments? Je me rappelle plus.
Liste des pièces. Non, c'est pas ça. Y a pas un truc pour voir toutes les pièces de la bagnole? Et il me semblait. Ah, mais oui! Pff. Oh là 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 là. Merci, c'est vrai. Le moteur est pas à poil. Eh oui! Alors attends, est-ce qu'elle va partir pour autant? Ouais! Combien? 18 000! Oh, ouais, j'ai bien renfloué les comptes hein, quand même. Merci à Mister Doudou. Je l'avais pas vu, tu vois. Je m'en rappelais plus. C'est la première fois que je l'avais, cette bagnole. Bah, on a plus rien qui traîne normalement. Hein. Oh putain, si, on a cette épave. Oh, mais là, j'ai pas le temps. Là. Va falloir le faire plus tard. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Pff, ouais, bah, je ferai ça plus tard. Hein. Ouais, c'est bon. Il y a trois bricoles à faire. Combien je vais gagner là-dessus? Pour l'instant, on sait pas. Que dalle. Bon, j'ai peut-être même déjà les pièces en plus. Allez, je la mets au garage. Salut Coco Boss. Bah écoute, ça va très bien. Mais là, t'arrives juste au moment où je pars. Je mets la bagnole au garage là. Et hop, on va la monter. De toute façon, celle-là, c'est que, que du châssis. Putain, cette épave. Ça me donne même pas envie de foutre le nez là-dedans. Pouah. Tu vas pas me dire qu'il y a que les suspensions qui sont mortes. Tout est mort là-dedans. Regarde ça, la gueule de la bagnole. Bon, mais ça. C'est une autre histoire. Bon, bilan, j'ai pris un niveau. Je vais bientôt en prendre un deuxième. Et j'ai pris 35 000 euros de crédit. En plus. Donc c'est pas mal. Et puis je fais surtout de la pièce encore, je suis sûr, à revendre. Bah oui, vendre des pièces, tiens, vas-y. En dessous de 30. Oh, 500 balles. Bon, c'est pas grand-chose. J'ai une caisse, tiens, qui vient d'arriver. Cool. Dis-moi que j'aurai une petite grange. Ah, bonus d'XP. Ouais, cool. Bah tiens, je passe en niveau 27. Et une grange. Super. Bon, bah on va se faire ça pour la prochaine fois avec un peu de bol. Oh putain, j'ai encore une caisse. Super. Encore une grange. Mais c'est royal. Ah bah encore une caisse. Allez, bah vas-y. C'est parti. Et une grange! Mais c'est royal! Trois granges! Ouais! Trois granges, les gars! Bah là, je vais être riche. Ça tombe bien, j'ai le Duster à Kevin à refaire. D'ailleurs, je pense qu'on va l'amener là, hein, le Duster. Hein. On va pouvoir. Hein. On va aller au parking. Et normalement, alors comment il s'appelle le Duster? Donc, ça, c'est ma bagnole perso. J'ai quelques caisses à refaire hein, quand même. Hein. Et voilà le Duster à Kevin. Alors, il est où? Il doit être dehors. Il est là. Je l'avais juste fait un petit nettoyage. Mais celui-là, il... je sais pas. Je sais même plus combien j'ai acheté ça. 21 000. Pour l'instant, je le revends 17. Ouais. Je sais pas. Est-ce que... qu'est-ce qu'on a dessus? Valeur de pièce haute performance. Oh, on va faire un truc un peu tuné hein, quand même. Hein. On va se faire plaisir. Hein. Là, il est pas très très joli. Hein. Je sais pas ce qu'on a en pièce tuning là-dessus. C'est quoi? Comment elle s'appelle la référence? Le Mio Veni. On a du tuning là-dessus ou pas? Tuning carrosserie. Ouais! Oh bah vas-y, on va se faire plaisir. Bon, on va tout changer. On va tout changer. Il y en a de l'accessoire. Merde, hop là. Et en tuning mécanique. Ah bah de toute façon, non, on sait pas. Merde. Oh, c'est pas grave. On lui mettra peut-être des petites banquettes et tout aussi. Bon, on va voir tout ça quand on va se faire un live complet dessus. Ah, mais putain, on a même carrément des beaux petits sièges là. Un siège de 370Z. Vous pensez qu'on peut le mettre dessus? Merde, non, c'était pas ça que je voulais. Je voulais le démonter, moi. Mode montage, non. Bon, écoutez. Ah oui, non. Démontage intérieur. Hop là.
siège 6 cuir D. Je sais pas si on peut mettre les sièges qu'on veut dessus. Faudra regarder. Merde. Ah, arrête, mode normal. Bon, allez, déplacer la voiture. Elle va aller dans le garage. Ah merde, ça m'a viré l'autre. Bon, c'est pas grave. Bon, celle-là, on s'en occupe la prochaine fois. On va la plumer de chez Plumer. Je veux qu'il n'y ait plus rien. Juste un tube. Et après, on refait tout. On la refait en version tuning. On va se faire un gros live de 2 heures dessus minimum. Et on va claquer. Par contre, je pense qu'il va falloir que je revende des pièces parce que 146 000 de crédit. Bon, j'espère qu'elle va pas me coûter plus que 146 000 quand même. Ça me ferait un peu chier. Hein. En rose. Ah oui, pour Kevin quoi. Non. Non, je sais pas. Non, une petite peinture caméléon, on va faire. Je sais pas. On va voir ça. Peut-être je la garderai. Allez, enregistré. Et on est parti. Bon, bah, 2 petites heures de live matinale, c'était pas mal. Ça fait du bien. Quelques petits followers qui sont passés ce matin, qui se sont abonnés, c'était cool. On y va tout doucement, mais sûrement. Bon, on se refera des petits lives comme ça de bon matin, mais ce sera plutôt semaine prochaine, quoi. Quand les enfants auront repris l'école. Juste après l'école, hop, live, direct. Allez, je vous donne rendez-vous peut-être cet après-midi sur YouTube pour le test d'un petit jeu qui s'appelle, j'ai plus le nom, Epic Fantasy Battle Simulator, une petite simulation de combat épique. C'est complètement débile, mais c'est super rigolo en fait, et c'est mine de rien assez bien fait. Et le jeu est en early access et le développeur fait une update presque toutes les semaines. Là, j'ai remonté un peu historique, on a une update toutes les semaines et il ajoute des trucs assez sympas. Donc je sens que ce petit jeu va finir en grosse tuerie. Ça va être super sympa à faire. Bref, c'est une vraie simulation, ça a toute sa place sur la chaîne Univers Simu. Et on va essayer de voir ça cet après-midi ou demain au plus tard. Allez, ciao tout le monde, bon après-midi. Enfin, bonne matinée déjà pour commencer, puis bonne après-midi aussi. Ciao, salut Mister Doudou, salut. Salut le Doux Rêveur qui est passé par là, excuse-moi, je t'avais pas vu. Et puis Coco Boss, hein, merci d'être passé. Et puis au plaisir de te revoir aussi. Salut Jaco, ciao tout le monde.